Le Goldbrunn de Sterel est un parcours donc, qui a été créé en 1989 par l'architecte Trenjor Senior. Et c'est vrai que c'est un très très beau parcours avec les difficultés. C'est un parcours dit à l'américaine avec des très grands greens, très vallonnés et quand même pas mal de bunkers. Donc c'est un parcours challenging. Cette trossignature, on vient de tout refaire le bunker, c'est vraiment magnifique. En fait, c'était un espace d'eau naturel et l'architecte a su modeler le trou pour faire un par-3 en surplomb sur un très très grand espace d'eau et c'est vraiment magnifique. En fait, comme c'est un parcours qui a un par-3 en dévers avec un gros obstacle d'eau, il faut faire attention de ne pas être trop long. Et en fait, tout est sur la psychologie, hein, parce que les personnes veulent absolument toucher le green, ont tendance un peu à forcer leur coup. Et à louper leur balle et mettre la balle dans le trou. Dans l'eau, pardon, excusez-moi. Dans le trou, c'est pas mal. Dans l'eau. C'est le sud-est qui ressort avec le pain parasol qui donne quelque chose de charmant au parcours. Et c'est vrai que les fairways sont entourés de pain parasol. C'est pas sans difficulté pour le jeu, mais c'est quand même très sympathique à viser. Avec ces balles qui peuvent rester coincées à l'intérieur, parfois? Non, pas trop, parce que c'est pas contrairement dans les Landes où vous avez plus des pins qui sont un peu plus, avec les écorces plus fragiles. Mais non, ici, c'est vraiment, les balles reviennent, quoi. Okay. Pas toujours où on veut, d'ailleurs. La concurrence par rapport aux autres parcours, comment on essaye de se démarquer, de tirer son épingle ? On n'a pas vraiment de concurrence, je pense qu'il est important qu'on soit une destination golfique. Donc plus on a des parcours de très grande qualité, plus on aura une clientèle qui viendra dans la région et qui pourra pratiquer tous les golfs. Il y a une quinzaine de golfs de très très haut standing autour de l'Estérel et c'est vrai que ça devient une destination golfique très très importante en France. Ouais.